et la rigueur russe. Les mains dans la magnésie. Vous l'avez deviné, comme les perchistes, comme les haltérophiles, les gymnastes ont besoin de s'enduire les mains pour obtenir une meilleure adhérence. Alexei Bondarenko, qui a été champion d'Europe du concours général à Saint-Pétersbourg, le meilleur russe, j'allais dire, le meilleur élève de l'école russe avant les Jeux Olympiques. Fin, gymnaste très aérien. Il a choisi pour s'exprimer en démonstration les chevals d'Arçon, le cheval d'Arçon. Il était deuxième derrière Éric Poujade. Et son mouvement mérite le détour. Belle sortie, bien, beaucoup d'élan. Et Éric Poujade a dû regarder de près ce Bondarenko qui demeure peut-être l'un de ses plus redoutables adversaires pour l'avenir. Et bien sûr, deuxième au championnat d'Europe, juste derrière Éric, c'est clair. On reverra avec plaisir sur le ralenti ensuite la sortie, car elle est particulièrement agréable avec des Thomas qui montent à l'équilibre et une valse dans l'élan. C'est ici, regardez, la valse complète, jambes écartées avec le Thomas, ça donne du rythme au final de l'exercice, c'est très beau.